Bonjour tout le monde. C'est bon. Donc on va faire du Angular. On va même refaire Angular aujourd'hui. Enfin un petit peu. Mais juste assez. Les sources dont vous aurez besoin sont sur ce GitHub. Danicast sur Angular from scratch. Vous pouvez télécharger le zip, vous clonez le design, ça fera l'affaire. Il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Un éditeur de texte quelconque et un navigateur fera l'affaire pour aujourd'hui. Un petit mot à propos de nous, donc Olivier Hubert que voilà, Zenic à Paris, moi-même Mathieu Lux, Zenic à Lyon, on fait Zenica c'est cool, on y travaille tous les deux, voilà. Pour faire très simple, on fait pas mal d'Angular et de formation dans le domaine depuis quelques temps même. Premier slide, alors il y aura en tout 5-6 slides, hein. On va faire du code, vous ne faites pas d'illusions là-dessus. Juste 2-3 slides d'introduction, déjà il faut redonner à César ce qui est à César, on n'a pas tout inventé, loin de là. La première idée, je pense qu'elle vient de ce bonhomme-là, Terre ou pas, je ne sais plus quel est son vrai nom maintenant. Il est du Grand Nord, je crois qu'il est. Donc il a fait quelques posts de blog sur une approche justement de recoder Angular de zéro et de comprendre Angular de cette façon-là. On s'est beaucoup inspiré de cette approche-là. D'autres l'ont fait. Il y en a un, le deuxième Tim Ruffles, qui a carrément créé un projet GitHub d'un espèce d'autre Angular codé autrement, avec ses priorités à lui que je n'approuve pas entièrement, mais c'est juste pour dire que c'est une approche dont on s'est inspiré et qu'on ne vante pas forcément d'avoir tout inventé nous-mêmes. Donc quelle est cette approche? Cette approche, c'est que je ne sais pas si vous avez fait beaucoup d'Angular, un peu, beaucoup, pas du tout, passionnément, tout ça, mais en tout cas il y a très peu de gens qui connaissent la machinerie et il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est magique et d'ailleurs ça fait fuir un peu certaines personnes. Et on va essayer de lutter contre ça aujourd'hui. Et la première magie à laquelle tout le monde est confronté, c'est la première démo. La première démo, c'est ce code-là, avec un titre et un champ d'input. Et là, on vous dit, regardez, on n'a pas fait de JavaScript, et ça marche. Voilà. Et à partir de là, les gens nous disent, ok, c'est cool, mais c'est magique, et je comprends pas, et du coup, ça me fait peur, et il y a des gens qui vont pas faire du Angular juste à cause de ça. L'idée d'Angular from scratch, c'est ok, enlevons la magie, qu'est-ce qu'il y a là qui fait que ça marche? Normalement, en 2 heures, on va le coder de zéro. C'est l'objectif, c'est le défi, c'est que ça remarche d'ici 2 heures. Comment on va fonctionner? Et ben, de cette façon, tout simple, on va mettre exactement ce qu'on nous a de, ce qu'on la cible, donc le petit bout d'HTML qui fait que ça marche. On se met un fichier dans lequel on va partir de zéro et on va commencer. On vous a fait quelques tests unitaires, ça vous permet d'avoir des retours rapides sur ce que vous faites. Un test par étape, donc il suffit d'aller sur le fichier HTML, de faire F5, et vous verrez que normalement le nombre de points verts devrait augmenter au fur et à mesure du TP. Alors Jasmine n'est pas très sympa parce que tant qu'ils ne sont pas à 100% verts, il sera tout rouge, très moche. Regardez juste le nombre de points verts et il devrait quand même progresser au fur et à mesure. Chrome DevTools, bon, vous pouvez utiliser d'autres DevTools, mais il est quand même bien. Mais c'est surtout pour dire que bon, dans au moins la première heure, il y aura très peu de retours sur la vue en elle-même, on va surtout faire du log. Faut quand même un petit peu de plomberie pour que ça marche. Du coup, bah, on va faire du log dans la console, donc si vous n'avez pas de DevTools, bah, vous ne verrez rien. Underscore, donc je ne sais pas si vous êtes des grands fanatiques du JavaScript, mais si vous êtes des grands fanatiques du JavaScript, vous avez déjà entendu parler de l'underscore un jour.
Donc c'est une librairie, on va dire, utilitaire qui est très utilisée, qui est très pratique, dont on aura besoin rien que pour faire une boucle propre d'Corporate Beach qui est là. Et d'autres petites astuces qui ne sont pas très enrichissantes à recoder aujourd'hui. Et ensuite, on commence dans le vif du sujet. Je vais passer rapidement. Tout ça pour vous dire que le cœur de ce qui fonctionne quand on a les deux directives et le dynamisme, c'est le concept de scope qu'il y a dans Angular. Si vous connaissez Angular, le $ scope, vous le manipulez tout le temps. Vous savez juste que vous devez mettre vos données là-dedans et grosso modo ça s'affiche sur le code HTML, c'est magique. Et on va voir que le scope c'est pas magique, c'est du code. Il y a des fonctions qui permettent de le rendre magique. Et qu'en fait, comment il marche exactement, c'est ça. Alors ça c'est le tour de magie d'Angular. Avec un peu de chance, normalement ça vous paraît pas naturel tout de suite là. En fait, ça sera tout l'objet, c'est une bonne partie de l'intégralité, on va dire, du workshop. Ça sera de décortiquer le schéma et comprendre pourquoi il explique tout. Et c'est à peu près la main où le moment où je passe la main. Voilà. Merci. Voilà, donc je reprends sur ce schéma. Donc ça, c'est le schéma. C'est pas exactement le schéma que vous avez sur le site. Il est un petit peu le site Angular officiel. Il est un petit peu modifié, mais c'est la même chose, il y a les mêmes éléments dedans. C'était intéressant parce que, alors, en tant que formateur, voilà, le but c'est d'expliquer au maximum les rouages, les mécanismes des frameworks. Et voilà, si on est un temps soit peu geek, on est intéressé par ça, je dis mais comment ça marche vraiment, surtout qu'il y a vraiment ce côté magique avec Angular. Donc là, le but vraiment c'est de dire voilà, ce schéma-là, qui, premier abord, la première fois je me dis qu'est-ce que c'est ce truc, je comprends pas, qu'on se dise ah mais oui, mais bien sûr, mais c'est évident, c'est logique, et encore plus loin, de se dire ah mais oui mais je comprends mieux, mais alors si je fais ça c'est que j'aurais tel problème, j'ai intérêt à pas trop faire ça, et là vous atteignez un autre niveau quoi. C'est vraiment c'est le Graal quoi. Donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire au maximum, et c'est possible. Alors il y a peut-être pas de possible avec tout, mais avec Angular c'est possible, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là vous voyez sur ce côté à gauche là en bleu, vous avez tout ce qui est natif, ce qui vient du navigateur, ce qui vient du navigateur c'est natif, et ce qui est à droite, la partie JavaScript, et AngularJS c'est la partie là à l'intérieur ici. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux flèches dans les deux sens. Il y a des événements natifs qui vont déclencher quelque chose dans Angular, et on a AngularJS qui va quand même afficher la vue, qui va modifier la vue. Il va, là, c'est DOM rendering. Okay. Donc on a vraiment ces deux flèches-là. Mais comment, la magie, c'est dans ces deux flèches-là, c'est comment ça marche. Okay. Il y a des questions, par exemple, des questions qu'on m'a posées en formation, on s'est dit, mais c'est pas possible, attendez, si c'est, j'ai compris que c'était des loops, si c'est une loop infinie, mais alors maintenant que toutes les applis hein, elles marchent pour les téléphones, machin, tout ça, c'est pas possible, la batterie va être morte si c'est une loupe infinie, c'est un while true, le truc c'est pas possible. Non, ça marche pas comme ça. Oui, il y a des loupes quasi infinies, mais elles sont déclenchées, etc., etc. On va voir ça tout de suite et vous allez même le coder. Voilà. Donc vous remarquerez certains éléments qu'on va voir en détail, comme le $reply. $reply que vous allez être amené à devoir appeler. Donc pour ceux qui connaissent déjà, voilà, vous savez ce qui c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez comprendre dans quelques instants et même le coder. Et ici, vous avez des loops. On n'aura pas le temps de les voir toutes en 2 heures. C'est plutôt sur la version 3 heures où on arrive à tout vous présenter. Là, on va voir au moins une loop, le watchlist, c'est la plus importante. Et le digest, vous allez voir ça. Voilà, après, on pourrait vraiment voir chaque loop, mais après, vous comprendrez le concept. Donc, c'est parti. On va partir vraiment de rien. On va partir, première étape, le scope. Qu'est-ce que c'est que le scope? Alors, le scope, en gros, c'est un petit peu comme votre modèle. Okay, on va simplement instancier un objet et lui mettre des propriétés dedans. Okay, c'est une première étape. Alors ce qui va se passer, c'est que moi je vais vous coder ce que je souhaite avoir comme résultat, et vous voudrez coder le framework qu'on va appeler Zangular pour l'occasion. Donc c'est parti. Alors ici vous avez, alors on va vous mettre le, voilà, Zangular. Donc ça c'est la page HTML, zangular.html que vous devez avoir. Il n'y a rien du tout, j'ai juste repris le schéma. On va regarder le code source, c'est juste, il n'y a rien du tout dedans. Hein. Regardez ici, on a juste, ça va, vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire sinon. Voilà, donc c'est juste du HTML, c'est du blabla. Et on introduit _JS, donc c'est une librairie utilitaire dont on pourrait se passer, mais avec 2 heures, on n'a pas le temps de le réécrire, donc voilà. Et ici, zangular.js. Alors pour le coup, zangular.js ici, vous voyez, pour que ce soit plus clair,
pour nous, je vais le coder à même le script HTML, ok, dans le script ici, dans notre fichier, d'accord. Voilà, donc je vais mettre là, je vais peut-être essayer de le monter pour s'y voir, voilà. On va le coder ici. Donc ici, ça va être Zengular, ok. Et on va ensuite ici, moi je vais coder avec du console log ce que j'attends de vous. Et ensuite, on va vous laisser coder et on va alterner comme ça. Après, je vous fais en live coding ce que vous auriez dû coder et on va fonctionner comme ça durant les deux heures. Jusqu'à la fin, on a la magie qui fonctionne avec tout en partant de zéro. Voilà le but. Donc là, ce que j'attends de vous, c'est qu'on puisse faire quelque chose de ce genre-là. Alors, var scope égale new scope. Ok. On va rajouter sur ce scope des éléments, on va dire... session, je retourne, voilà, peu importe, et ici on va simplement afficher le script. On commence soft, hein. Enfin, ça, on va se compliquer un petit peu, c'est vraiment très soft, c'est pas compliqué, on va vous laisser quand même un petit peu de temps pour faire ça. Donc voilà ce que je veux, c'est créer un scope, vous le chargez avec des propriétés et vous l'affichez. Il faut que ça fonctionne. C'est pas compliqué, hein, je vous l'accorde. Après, on va. Alors, juste une petite note, parce qu'on peut déjà se dire, le but, ça va vraiment être de faire le lien avec votre vie tous les jours, avec AngularJS. Mais attendez, le scope, j'ai jamais fait de new scope, moi, dans mes applis Angular, ça marche très bien. C'est quoi cette histoire? Sachez que dans AngularJS, vous avez de l'injection de dépendance. Les mecs, c'est des malades, ils nous ont rappelé ça, on pourrait voir ça aussi, mais il y a peut-être un autre truc à faire là-dessus, c'est génial. Mais bon, il y a l'injection de dépendance. C'est-à-dire, le scope, il y a bien un new scope qui est fait. Si vous regardez dans le code source d'Angular, d'ailleurs, le root scope, qui est le scope initial, il y a bien var scope, root scope égale new scope. Il y a vraiment cette ligne-là. Sauf qu'elle vous est cachée, elle est dans le framework, ok? Donc, vous étonnez pas, effectivement, vous, dans les tous les jours, vous ne tapez pas, mais il vous est injecté et il y a bien un new scope qui est fait. Voilà, donc c'est vraiment, c'est ce qui se passe dans la vraie vie aussi. Voilà, vous, c'est plutôt à ce niveau-là, vous affectez des éléments sur votre scope et ensuite, voilà, on l'affiche dans la vue. Voilà, donc je vous remets ici, je vous remets cette étape-là. Donc, on a instancié un scope, on y insère des données et on l'affiche juste pour voir que ça marche. À vous maintenant de faire ce qu'il faut pour que ce que je veux fonctionne. Alors on vous laisse dans quelques minutes. Visiblement, on a des problèmes de Wi-Fi, donc si quelqu'un n'a pas eu les fichiers, on a eu une clé, on n'en a pas 36, mais il y en a une. Ah oui, c'est vrai qu'on a accès à une fichier. Alors le wifi est reparti là, mais combien de temps il va tenir? Fait un peu chaud pour le routeur. Si quelqu'un a une bouteille d'eau à renverser sur le routeur, peut-être. Et tu peux rappeler la base du
Si quelqu'un peut l'accès. Okay, alors là pour le coup je vais enchaîner, vous inquiétez pas, on part de ça pour continuer. J'enchaîne et dans le TP d'après vous pourrez raccrocher, il n'y avait pas grand chose sur ce côté là. Donc là il n'y a juste rien, on a juste un objet scope, d'accord. Donc pour la partie angulaire ici, vous n'avez pas grand chose de plus. Wow. Hop, voilà. C'est bon. Donc j'ai problème. Voilà, c'est fini. Alors, on va juste. Le scope, votre modèle, c'est. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien. Le scope en lui-même, il n'y a pas de magie là-dedans. La magie n'est pas là-dedans. Le scope, vous allez pouvoir le charger. Au contraire, chargez-le. Il n'y a pas de souci. La magie n'est pas là et les difficultés que vous pourrez rencontrer ne seront pas dans le scope. Elles seront ailleurs. Elles seront où? Elles seront dans le Dollar Watch et le Dollar Digest. Ok, ce qu'on a vu sur le schéma. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir la magie, elle se trouve où? Elle se trouve dans le Dollar Watch et le Dollar Digest. Deux choses. Le Dollar Watch qui, lui, va empiler des fonctions qui vont surveiller votre modèle. Votre modèle va être surveillé, va être observé. Et un Digest qui, lui, va exécuter toutes ces fonctions pour voir si votre modèle a changé ou pas. Ok? Voilà. Donc, on va séparer l'ALTP en deux étapes. Première étape, on va juste faire une fonction qui empile ces fonctions de Watch. Qui vont juste surveiller, qui vont observer votre modèle. On va juste empiler ça dans vos tableaux. Ok ? Je vais juste mettre ça ici. Hop, je vous remets le slide. Voilà, le scope. On va juste mettre ça dans un tableau, $watchers, et on va rajouter une fonction qui empile. Ok ? C'est tout, première étape. Deuxième étape, là, on va exécuter ces fonctions pour vérifier si le modèle change et exécuter ce qu'il faut. Okay. Donc, on commence simplement avec ce Dollar Watch. Donc, je vous écris ce que j'attends de vous. Donc, ici, ce qu'on va vouloir, c'est observer. Donc, on est parti sur la session. On va dire qu'on va observer si la session change. Si ça change, globalement, après, on met à jour la vue. Logique. Donc, ce qui se passerait dans la vie de tous les jours, hein, ce que vous faites dans, au final, c'est ici. Si le Angular, ici, c'est le, ici, hein, voyez, c'est, ce bout de code, vous voulez le modifier, vous voulez le mapper sur votre modèle scope.session, ici vous feriez un ng bind ou data ng bind égal et vous lui dites on le bind sur session. Voilà. Voilà. Donc ça c'est ce que vous avez l'habitude. C'est ce qu'on va faire à la fin de ces deux heures-là. Par contre, ce qui se passe en interne, même si vous faites le ng bind qui est une directive qu'on va voir tout à l'heure, en vrai ce qui se passe c'est ceci. Vous avez scope.watch sur session et quand le modèle change, il y a une action function. Ok, et donc là clairement qu'est-ce qui se passe? Et on met à jour la vue par exemple. Ok, voilà. Donc ça c'est ce que vous avez l'habitude ou c'est ce que vous avez déjà créé. Alors pour faire ça, vous comprendrez bien qu'ici le session c'est une chaîne, donc ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut un parseur, il faut un lexeur. Il y a un petit peu de boulot. C'est ce qu'on fait les gars d'Angular. Si vous regardez le code source d'Angular, il fait 20 000 lignes. Le nôtre, il fait Angular, il fait 100 lignes. Donc ça marche aussi, mais ils ont un petit peu plus de trucs que nous. Il y a dedans un lexeur, carrément. Ils ont fait un parseur, un lexeur, évidemment. Alors nous, on n'a pas le temps tout de suite là. Donc on va remplacer, et ça marche très bien. De toute façon, c'est comme ça que fonctionne Angular aussi. Function, on va remplacer par une callback qui retourne la session. Ok ? Alors pour être un petit peu plus propre, le scope, on va quand même le passer en paramètre de cette callback. Voilà. Donc voilà ce que je veux. Ici, je veux que quand on fait $watch, on appelle $watch, on lui donne
une première callback, hein, qui retourne ici, moi je veux surveiller la session, une deuxième callback, où là, on va faire quelque chose, mais pour l'instant, on va juste empiler. Ok ? Et quand je fais console.log.scope, je vais voir que vous avez bien empilé ce couple de fonctions dans un tableau. Je vous remets ce que l'exercice, donc voilà l'exercice. Vous ajoutez un tableau, vous faites une fonction watch, et vous ajoutez ça aux une liste. Okay. Pour l'instant, juste cette étape-là. On vous laisse encore un petit peu de temps.
Ok. Si on veut essayer de tout finir, je vais l'enchaîner. Alors, n'hésitez pas à taper pendant que je live code. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font déjà, mais voilà. Ça vous permet d'avancer si vous n'avez pas, pas eu le temps de finir. Alors, donc là, ici, il y a plusieurs façons de faire. Nous, on va partir ici sur rajouter la fonction hein, sur le prototype. Alors, pour l'instant, on va juste vous ajouter. Donc, alors, ici, scope.prototype.dollarWatch. Oh, oui, c'est protocole, ça ne doit pas nous aider ça. Ok, on va faire. Ok, donc notre watch ici, on va le rajouter par prototype. Il va prendre deux paramètres. Ici, deux callbacks. Ok, on va les nommer un petit peu comme le nom Angular. Hein. Comme ça, on va rester plus proche. Quand vous allez dans le code source d'Angular, vous allez vous y retrouver un petit peu. Donc, on va appeler un watcher et un listener. Ok, on va juste les regrouper pour pouvoir les pousser dans notre tableau. Donc, var watch. Et ici, on va ajouter dans notre structure, dans notre objet, on va rajouter notre watcher. On va le nommer de la même façon. Et notre listener. Ok. Et on va simplement le pousser donc dans un tableau qu'on a dit, on l'appellerait watchers. Push watch. Ok. Ok. Voilà. Donc si on fait ça, normalement. Voilà. On a bien notre session bien affectée et on a un tableau de watchers avec un premier objet et dedans on a bien notre listener voilà, et notre watcher. Ok. Donc on a notre tableau. Donc ici, quand on regarde là sur le schéma, on a bien une liste de watch. C'est bien. On a nos deux callbacks, mais maintenant ça ne fait pas grand-chose. En soi, ça ne fait rien du tout. Il faut les activer. Pour l'activer, voilà ce que vous allez devoir faire. Donc ici, on va ajouter un petit peu de console log. Pour l'instant, hein. Ce sera l'affichage, ce sera la mise à jour de la vue hein, en vrai. Et ici, on va attendre. Donc, on va dire la session ATT modifiée. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et on va l'appeler avec scope.$digest. Alors, vous avez l'habitude de voir apply, $apply. On va voir dans quelques instants. Pour l'instant, sachez qu'en interne, il y a un $digest. Okay, il y a un $apply qui est un wrapper par-dessus qu'on va coder tout à l'heure. Voilà. Donc, ici. Bon, alors le scope, il a déjà une valeur, hein, donc, mais on peut le remodifier si vous voulez. Vous faites un test comme ceci. Digest, et ici, on le fait scope.session égale. Voilà. Ok, et on refait un digest derrière. Et là, normalement, on devrait avoir ici deux fois la session a été modifiée. Hein, une fois parce qu'elle est passée de rien à Brightscamp et une deuxième fois parce qu'elle passe de Brightscamp à Brightscamp 2014. Voilà. Et donc là, vous allez avoir quelque chose qui commence à être pas mal. Alors, je vais quand même rajouter certains éléments parce que là, ici, vous voyez, la session a été modifiée. C'est bien joli, mais on ne sait pas quoi. Généralement, on aimerait avoir été modifié de old value, c'est bien d'avoir l'ancienne valeur. Alors, hop. Vert. Et là, on aimerait avoir
la nouvelle valeur. J'ai un petit souci. Voilà. New value. Voilà. Ok, donc ça veut dire que ici, je vais attendre à ce que vous me donniez un petit peu de contexte. Ici, j'aimerais comme contexte la nouvelle valeur, l'ancienne valeur, et tant qu'à faire, le scope, si on veut modifier à nouveau le scope. Voilà. Voilà un petit peu de contexte que j'aimerais avoir. Et avec ça, on serait pas mal. Voilà. Et donc là, si ça... Pardon, je me remets là. Si vous lancez ça, je devrais avoir deux appels. La session a été modifiée de rien, undefined vers Brightscamp et de Brightscamp vers Brightscamp 2014. Je remets peut-être quelques instants ici l'énoncé, le digest. Voilà. Donc, il faut une fonction digest qui itère sur les watches. Vous comparez à chaque fois l'ancienne valeur, c'est du dirty checking. Et voilà ce que j'ai mis ici, ce que j'attends de vous, le code. Donc, je vous remets le code, c'est peut-être plus parlant. Hein. Oui. Je vous remets le code. Voilà. C'est peut-être plus parlant. Donc, voilà ce que j'attends. Que vous soyez capable, quand vous lancez digest, d'avoir les watches qui sont. Les listeners qui sont appelés avec les anciennes et les nouvelles valeurs. Oui. Le code qu'il y a au-dessus, d'accord. Alors, ce code-là. Ok. Voilà. C'était pas un. Avoir l'ancienne valeur. Ah oui, il y a un problème. Il va falloir stocker l'ancienne valeur. La stocker quelque part, ou est-ce que ça aurait plus de sens? Ouais. Effectivement, il faut stocker l'ancienne valeur, pouvoir la comparer avec les nouvelles. Et... Ouais. C'est du dirty checking en fait, de base. Ah, c'est bon.
Le contexte. Ah, quand on couche le contexte, il faut sauvegarder ce moment-là, oui. Pas forcément à ce moment-là, mais c'est dans ce contexte-là que vous avez dû contrôler. Voilà. Donc, ici, ce qu'on va devoir faire, donc, c'est boucler. Alors, pour boucler, on pourrait boucler à la main. Donc, scope.prototype.$digest. Donc, c'est une fonction. On va boucler. Alors, on pourrait boucler à la main, ça va être un peu galère. Donc, c'est pour ça que là, on se fait une petite entorse. Hein, from scratch, on part quand même avec la librairie. Underscore, on va partir d'une autre librairie qui nous permet de boucler. Ok, j'espère que je ne me trompe pas. Alors, elle prend quoi un paramètre? Elle prend notre tableau. Donc, launchers. Et on a une callback qui est appelée à chaque itération. Ok, et qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne notre élément, notre watch. Voilà, donc à partir de là, c'est bon, on boucle sur chaque élément. Donc là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Déjà, si on fait watch.listenerFN et on l'appelle, déjà ici, hop, on devrait avoir quelque chose. Ok, simplement ça. Non, c'est pas fait, hein, mais pour vous montrer. Voilà. Déjà, ça marche. J'ai été appelé deux fois comme je voulais. Les valeurs sont fausses, on n'a pas encore fini, mais voilà. Donc, on boucle bien sur notre tableau et on appelle le listener. Sauf que le listener, on ne va pas l'appeler à chaque fois. Okay? Donc là, il y a du dirty checking. C'est comme ça que fonctionne le dirty checking. Très rapidement, c'est quand même vachement important. Je prends un petit moment pour expliquer ça. Ça a été critiqué. Si vous regardez sur Stack Overflow, hein, le créateur d'Angular a été critiqué pour dire mais le dirty checking, c'est old school. Maintenant, c'est event driven et tout ça. Dirty checking, c'est plus de notre âge. Il s'est défendu en disant que non, parce que les événements, on peut en louper, ça pose des problèmes, etc., etc. Moi, je crois fort dans le dirty checking. Pour trouver ça sur Stack Overflow, il dit voilà. Oui, c'est peut-être un petit peu plus lent, mais qu'est-ce que c'est que lent? Et là, il explique effectivement que quelques millisecondes et tout, vous ne verrez même pas la différence, surtout avec les bécanes qu'on a maintenant. Et le dirty checking, c'est juste imparable. Vous ne pouvez rien louper. Dirty checking, même si vous loupez quelques millisecondes, il n'y a pas d'événement à louper. C'est juste qu'à un instant T, qu'est-ce que j'avais avant? Qu'est-ce que j'ai maintenant? Ça a changé? Ça n'a pas changé? Ah bah oui, ça a changé, donc je modifie la vue, etc. Donc voilà, ça, il dit que oui. On ne pourrait pas louper un double événement, bon, c'est-à-dire modification, puis une nouvelle modification qui ramène à l'ancienne valeur. Wow. Quelqu'un fait un dirty check sur des valeurs identiques, mais il y a eu un changement. T'es 5 exercices plus loin. Voilà, donc, ouais, effectivement, on repose ta question ou pas, à la fin, tu vas voir. Effectivement. Donc juste pour expliquer rapidement sur le dirty checking, voilà. Donc c'est juste du dirty checking. On compare ancienne nouvelle valeur. Ok. Donc c'est parti. Donc ici on va comparer. Avant de lancer ça, il y aura un if. Donc le if ça va être quoi? Ça va être if all value est différent. Non, vraiment simple. De new value. Si les valeurs sont différentes, je lance mon listener. Ok. Alors, old value et new value, c'est quoi? New value, qu'est-ce que c'est mon new value? C'est ça. New value, c'est ici, voyez-y, quand on a stocké ici notre callback, hop, quand on watch ça, c'est ça qu'on veut, c'est le résultat de ça. Donc ici, c'est notre watcher FN qu'on a stocké. Donc là, ça va être watch.watcherFN. Sauf que ici, si je redescends un petit peu, vous voyez, quand on passe cette callback pour dire bah, surveille-moi la session, il faut le contexte. Le contexte, c'est le scope. Ok? Bon, bah très bien. Donc ici, on va lui mettre le scope. Le scope, c'est qui? Bah là, c'est nous-mêmes. On est en prototype sur le scope. Donc c'est this. Voilà. J'attendais des réactions. Et oui, bienvenue dans le monde verrier du JavaScript. Non, this, ça marche pas.
parce que this, voilà. Là, ici, vous êtes dans la fonction qui est juste au-dessus. Vous n'êtes pas au niveau du scope. D'où le truc. Je n'ai pas passé trop de temps à expliquer, mais d'où le truc que j'ai envoyé, où il y en a qui disent « Oh mince, je l'ai perdu le vis, donc je fais un var self égal vis, et ensuite je le stocke, voilà. » Mais bienvenue dans mon merveilleux, voilà. C'est, voilà. Alors il y a plusieurs façons, il y a des frameworks qui font ça un peu plus propre pour binder vis, pour récupérer le vis et tout. Voilà, il y a tout un truc autour de vis, je vous laisse découvrir le JavaScript. Mais voilà. Donc là, déjà, vous voyez un petit problème. Alors, avant de débugger ce genre de truc, c'est vachement fun. Dans le voilà. Hitch, on ne peut pas appeler le contexte ? Si, absolument. Ah, si. Après, tous les frameworks vont faire un truc un peu plus propre. Mais là, vous pouvez passer le contexte. Voilà, ton contexte, c'est ça. Avec Chrome, il n'y a plus besoin de framework. Et avec Chrome, il n'y a plus besoin de framework. Tu peux faire fonction.bsys. Voilà. Vous pouvez regarder dans les résultats, on vous l'a fait différemment. Là, je vous le fais avec self, mais dans les résultats que vous avez, ça a été codé différemment. Vous voyez, vous pouvez binder sur le vis. Voilà, donc ça, on a le new. Le old, c'est quoi? Bah, le old, on l'a pas. Donc, le old, on l'a de l'ancienne, c'est l'ancien new. Donc, en gros, c'est quand ça a marché, on va stocker le old, et on va dire le old, c'est égal au new. OK? Alors, c'est quoi? Et c'est un contexte, donc le contexte, on va essayer de le mettre quelque part. Notre contexte, c'est le watch, bien sûr. Donc on va l'appeler last, par exemple. Watch.last. Voilà. Donc, notre nouvelle valeur, on l'a, on compare les deux. Ça a changé, on enlève le listener FM. Et hop, on a notre last. Bah, c'est bon. Il nous manque plus que le listener. Ici, quand on déclenche le listener, vous voyez, on veut nouvelle valeur, ancienne valeur, le scope. Ça paraît le minimum comme contexte. C'est ce que fait Angular. Donc, le new, bah, on l'a. C'est bon. Le hold, on l'a pas. C'est le watch last. Voilà. Et le scope, eh ben c'est self. Ça c'est pas vis. Voilà. Et ben là on est pas mal. On est pas mal. On va essayer. Ah, il n'y a pas le watch initial. Ouais, alors non, mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Voilà, mais si on regarde un peu, regardez ici ce que vous avez. La session a été modifiée de undefined, effectivement, il n'y avait rien, c'était valeur undefined, non définie, vers Brightscamp, et ensuite on a modifié Brightscamp vers Brightscamp 2014. Voilà. Alors c'est un peu bizarre, effectivement, le premier coup, mais voilà, le premier coup on passe de rien vers voilà. Alors après, faut. Ok, donc voilà, donc ça fait exactement ce qu'on voulait, c'est nickel. Donc ça, c'est bon. Alors, on remarquera qu'une chose, déjà, première conclusion, déjà, on pourrait s'arrêter là, entre guillemets, la magie vient d'être juste dévoilée, c'est fini, c'est ça, Angular. Alors, il y a des choses un petit peu plus loin, on va avancer, mais c'est juste pour que vous compreniez déjà ce principe. Là, ici, vous avez cette fameuse liste de watch, et quand on lance un VGS, bah, il parcourt tout le monde, il fait du dirty checking sur tout le monde, et oui, voilà, c'est fini. Et ensuite, il met à jour le modèle. Alors, faut déjà voir que le scope, et si vous pouvez le charger, c'est pas un problème. Ce qui va être un problème, entre guillemets, c'est avec les watches, quand vous placez des watches. Parce que les watches, comme vous le voyez, et ça c'est le code hein, quasi que vous avez dans Angular, c'est vraiment hein, chaque watcher, ici on va avoir le watcher FN ici, qui va être déclenché à chaque fois. Pas le listener FN, mais le watcher FN à la fonction de watch, elle va être exécutée à chaque fois. Donc ici, nous, regardez, nous elle fait quoi? Elle fait un return d'un attribut, c'est bon, ça c'est pas méchant. Donc attention à vos watches, eux seront exécutés vraiment à chaque fois. Si vous faites, je ne sais pas, un appel réseau, n'importe quoi, surtout pas par exemple. Voilà. Donc c'est pas possible. C'est vraiment, ça va être le plus simple, le plus court possible. Eux, ils vont être appelés tout le temps. Voilà. Il y a différents éléments comme ça que vous allez ensuite réaliser petit à petit. Et voilà, donc c'est tout. C'est tout. Donc maintenant, on va s'attaquer à la suite. Le digest ici, vous voyez, ce n'est pas l'habitude de ce qu'on a ici. Hein. Nous, on n'a pas l'habitude d'appeler digest, d'ailleurs, on ne l'appelle jamais. Ce qu'on appelle, nous, c'est le $apply. Okay. Parce que vous remarquerez ici que si j'avais pas appelé, hein, ça paraît logique hein, comme ça, mais c'est ça qui est intéressant, si j'avais pas le $digest, évidemment il ne se passe rien. Alors ça paraît logique comme ça, mais c'est un peu le but de la démo. C'est qu'on se dit, bah voilà, si on n'appelle pas le digest, il ne se passe rien. Donc il n'y a pas de boucle infinie. Non, Angular n'a pas de boucle infinie. Ça se déclenche sur un événement. Mais c'est un peu un mix des deux. Vous voyez, il y a des boucles, il y a bien des boucles, il y a des boucles semi-infinies, mais c'est déclenché quand même sur un événement. Donc il faut qu'il y ait un événement qui déclenche les boucles, les fameuses boucles ici que vous avez là. Okay? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Angular, dès que vous êtes dans du Angular, un texte array Angular, dès que vous êtes dans le framework Angular,
faites appeler un service Angular, bah ça marche. C'est bizarre, ça marche. J'ai jamais appelé digest ou apply. Bah oui, parce que si vous regardez le code source, $apply est appelé. Le $digest est appelé. Parce que vous êtes dans le framework Angular. Par contre, c'est là que vous comprenez que dès que vous êtes en dehors, vous faites du jQuery, et ça, au contraire, en fait, n'importe du D3JS par exemple, vous avez un événement extérieur ou un événement JavaScript, un set timeout. Et là, vous dites, mais je comprends pas, mon modèle est bien modifié, je regarde en debug, c'est bon, mon modèle est là, pourquoi il ne met pas à jour la vue? Simplement parce qu'il n'a pas eu un événement. Alors des fois, il en a un, donc le hasard fait que, oh, ça marche. Mais s'il n'a pas eu un événement qui lance un digest, bah, la boucle, les fameuses boucles là, ne sont pas lancées et il ne se passe juste rien. Voilà. Ou alors à un moment, vous avez un événement qui arrive et hop, c'est bon, ça marche, vous ne savez pas pourquoi. Donc ça veut dire que dès que vous êtes en dehors d'AngularJS, en dehors de la logique Angular, il faut déclencher un apply. Et alors, le déclencher quand? Au plus tôt. Okay? Si vous êtes dans jQuery et que vous faites un événement, là vous êtes en dehors d'Angular, donc vous modifiez le modèle, très bien, le modèle, le scope sera modifié, mais Angular, il n'en sait rien. Lui. Donc c'est au moment où vous faites la modification, hop, vous lancez scope.apply, $apply, et vous déclenchez ces fameuses boucles de digest. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne c'est une première chose. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a une exception? Okay, s'il y a un problème? Vous, ce que je veux, c'est que ici, on arrête d'utiliser digest parce que c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça marche comme ceci. On fait un scope.$apply. Et ici, ça prend une fonction, un callback. Et à l'intérieur, on met notre code. Voilà. Et là, si je fais un throw je suis un javaliste. Je vais y arriver. Si je fais ça, il faut que ça fonctionne, ok? Alors si on fait ça, logique, ça va marcher votre truc, mais je vous rajoute une petite difficulté. Si je fais ça, je veux que ça fonctionne. Okay. Je veux que le breakpoint 2014 soit modifié. Donc je vous laisse coder. Il n'y a pas grand chose, hein. Je vous laisse quelques minutes. Faites en sorte que maintenant votre code puisse fonctionner même avec ça. Okay. Et ça, c'est ce que vous tapez, c'est ce que vous devez taper, le $apply dans vos applications Angular. Alors ici, la petite difficulté, c'était qu'on veut que le digest soit exécuté quoi qu'il arrive, même s'il y a une exception. Parce que s'il y a une exception, il y a peut-être une gestion d'erreur, vous allez motiver le modèle, il faut que ce soit pris en compte. Donc ici, on va faire un scope, on va rajouter toujours par prototype. Alors pourquoi dollar quelque chose, hein? Une convention, parce qu'en JavaScript, on s'en fout. C'est juste un caractère. $$, c'est plus par convention, c'est privé, vous ne touchez pas, c'est au framework. Et dollar quelque chose, c'est une fonction du framework, et donc vos méthodes, essayez de ne pas mettre dollar devant, mais underscore, une méthode underscore. C'est des conventions, hein, y a rien de... c'est juste un caractère comme un autre. Ok, donc le apply, ici, ben, on va avoir simplement un try. Hein. Un try finally.
Donc try. On va exécuter donc notre expression. Et finally, this point digest. Voilà. En fait, c'est ça. C'est on fait ça dans un try finally. Quoi qu'il arrive, hein, on exécute un digest à la fin. Donc ici, on va exécuter une expression. Donc, on va prendre ici en paramètre notre callback, notre expression, ok. Et ici, on va l'exécuter. Bon, c'est un peu bourrin là. Mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez. On exécute l'expression et quoi qu'il arrive, on fait un digest, c'est tout. Et ça, c'est ce que vous avez l'habitude de voir hein, dans la vie de tous les jours, dans votre code Angular. Donc ici, si je l'exécute, ça marche. Il y a bien une exception, mais le modèle a été mis à jour. Ok, alors, maintenant, il y a on n'aura pas le temps de tout voir, mais je vais aller un petit peu vite là. Il y a plusieurs cas, hein, évidemment, c'est pour ça qu'il y a 20 000 lignes. Parce que c'est long là. Ouais, alors, ouais, alors, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, là c'est le début, on fait les briques, c'est un peu du Lego, là on fait vraiment les briques de base, donc là je vous fais toutes les briques de base, la partie vraiment fun en fait elle est à la fin, donc c'est quand vous avez vraiment le truc qui fonctionne pour de vrai, que vous l'aurez codé vous-même, c'est ça qui est fun, là je vous mets vraiment les briques de base, donc il y en a pas mal en fait, donc on va, je vais quand même vous faire celle-là, et après les deux autres je vais laisser aussi à Mathieu le temps de finir correctement, donc voilà. Alors, à partir de maintenant, ça va être de la consolidation de la construction. Là, par exemple, moi je vais faire plutôt la partie HTML tout à l'heure. Je peux partir de là en fait. Là, le digest, le apply, la surveillance des choses est déjà en place. Il y a plein de cas un peu en marche qui vont pas marcher. Il y a plein de cas où si l'utilisateur développe n'importe quoi, ça va planter. Donc on va en traiter un, on va en voir deux autres. Celui de Dridi est le premier des cas. Quand un watch déclenche une autre modification, il faut le pouvoir traiter, etc. Mais grosso modo, le cœur vraiment de la détection de changement dans Angular est en quelque sorte terminé. Alors, donc on va voir le cas effectivement qu'a exposé Rami Dridi. Qu'est-ce qui se passe ici si vous avez dans la modification de la session, vous avez accès au scope, vous faites un scope, point, alors on va changer un peu dans notre modèle, on va lui rajouter une autre, on va dire une date de mise à jour, okay. Voilà, on rajoute une autre propriété, voilà, donc ici si je fais scope.mise à jour, donc là, vous voyez, on surveille la session. Si le titre de la session change, on met à jour une autre propriété. Pourquoi pas, pas de problème. Donc ça veut dire que on va également mettre un deuxième watch. Ok. Voilà, donc on va surveiller ici la mise à jour. Donc on rajoute un deuxième watch. On dit la date a été modifiée. Et voilà. Ok. Ça, c'est pas mal. J'enlève ma levée d'exception. Et je teste. Donc la date a été modifiée de rien vers undefined vers la date. La session a été modifiée de undefined vers Brightscan 2014. Par contre, ici, c'est pas normal, j'ai rien. Je devrais avoir, parce que si on regarde ici, hein, quand la session est modifiée, je mets à jour, enfin, une autre propriété du modèle. Mais j'ai bien mis un watch au-dessus, on le voit ici, il y a bien un watch, je dis la date a été modifiée de... Sauf que là, je ne le vois pas. Pardon ? Voilà. Si, regardez. Excusez-moi, le apply, il est bien là. Il est mis sur le scope mise à jour, il n'y a pas de apply. Ah ah. À l'intérieur du listener, on est à l'intérieur... d'une fonction digest. Il est appelé depuis le digest. Donc si tu relances un apply, tu vas te mordre la queue et créer une boucle infinie. C'est un des exos et ça fait une jolie boucle infinie, stack overflow, ça plante tout. Il y a deux éléments effectivement à cet exo. Là, la première partie de l'exo, c'était juste effectivement, le but c'est pas de mettre un apply là-dedans, c'est que
100 mètres de play, ça fonctionne. On puisse avoir le modèle qui... Alors, je vous donne la réponse qui est dans les slides, là. C'est, il vous faut ici... Voilà. Il vous faut ici forcément, votre modèle doit tourner, doit être surveillé jusqu'à ce qu'il se stabilise. C'est ça la difficulté. C'est que votre modèle peut se modifier lui-même, et donc à ce moment-là, il faut repasser dans une boucle de digest, et ceci jusqu'à ce que le modèle soit stabilisé. Alors ça veut dire quoi que le modèle se stabilise? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous passez dans la boucle et plus personne ne modifie plus personne. Voilà. Donc là, à vous de coder, ça va être la dernière partie. Sur cette partie effectivement de stabilisation du modèle pour que même dans un cas comme celui-ci, moi j'ai mon affichage qui fonctionne. Okay. Alors il y a un petit bonus, là on n'aura peut-être pas le temps, hein, c'est sur cette fameuse boucle infinie. Vous avez compris qu'à un moment donné vous pouvez faire une boucle infinie et il y a ce cas-là aussi à gérer. Faites peut-être pas ça dans un premier temps, mais déjà faites en sorte que le modèle puisse se stabiliser. Je vous remets le code que j'attends, voilà. Il y a une inversion des logements. La dalle était modifiée par la session. C'est pour ça que je comprends rien. En haut, j'ai écrit la date a été modifiée alors que c'est la session, mais en fait, c'est la session alors que. Non. On a inséré le watch de la date au-dessus du watch de la session. Ah oui, c'est moi qui ai rappelé. Donc, j'avais bien rien compris. C'est ça, même dans Angular, si tu fais l'exception, elle sort quand même. Ça casse. Par contre, elle doit. L'objectif, c'est que on ait quand même détecté les changements avant que ça parte. Il faut bien voir qu'un programme JavaScript, c'est. Si tu plantes juste une stack d'un événement, ton programme, ton site web s'écroule pas, il va continuer. Je vois bien l'idée de ce qui se passait, mais quand je colle après, je prends du code après, c'est exécuté.
En fait, ici, quand tu as la session qui est modifiée, ça ok. Donc là, il faut qu'on comprenne les console logs, il faut comprendre que ce sera une modification de la vue. Donc la vue sera bien modifiée. On voit que quand la session est modifiée, on dit que la date est mise à jour. Sauf que là, dans mon cas, le console log n'est jamais affiché la date. Donc c'est comme si ta date qui était sur ta vue n'aurait même pas été modifiée. Alors que le modèle est bien modifié. Le modèle est bien new date dans ton modèle, mais il n'est pas. Il est sur ta vue, tu as toujours l'ancienne valeur. Donc il y a un problème ici. Et c'est ça qu'on veut mettre en lumière. C'est qu'en fait, il n'y a qu'une boucle. On parcourt qu'une fois. Donc en fait, tu parcours qu'une fois. Mais si ton modèle, quand tu parcours, modifie une autre partie du modèle, ce ne sera jamais vu. Quoi. Donc en fait, il faut revenir sur ton modèle. Et c'est ce qu'on va coder là tout de suite. Du coup, là, sur lequel on enregistre le watcher, exactement. Exactement. Mais ça ne sera plus dans quelques secondes. Voilà, exactement. Oui, c'est pour ça que tu peux dire, mais non, ça marche. Au début, ça ne marchait pas. Voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'est le son. Ça fait partie du voilà, qu'on a pas. Concrètement, il faut prendre en compte qu'au moment où on lance le listener là, il peut changer le scope. Et que donc, si c'était le dernier watcher pour bien traiter et qu'il a modifié le scope, et ben, si un autre watcher est intéressé par cette modification, personne lui. Donc, en gros, de ce qu'on a dit, c'est que cette partie-là, bah, il faut juste boucler. Donc il y a encore une boucle. Cette partie-là, on boucle. Do while. Alors while quoi? Bah, ça va être while un flag. Dirty. Tant que c'est sale, on boucle. Donc ici, on va faire un booléen, dirty. Il prend une valeur false. Si jamais il y a une modif, voilà, c'est-à-dire là, dirty égale true. Fini. Si je viens là, ça marche. Voilà, on a la dernière ligne qui maintenant s'affiche, la date a bien été modifiée. Voilà. À partir de maintenant, je vais juste parler, je vais arrêter de coder. Voilà, on veut finir la partie intéressante après. Donc, voilà ce qui va se passer. Ici, c'est qu'on peut avoir plusieurs cas, évidemment. Le cas du petit malin qui, maintenant, va dire « Ouais, je comprends mieux, mais donc si je me mets là et que je modifie la session, donc la date modifie la session, qui modifie la date, etc. » Vous partez en boucle infinie. Donc, c'est la fameuse erreur que vous avez, je ne sais plus quoi en anglais, « Digest loop, pass reached, 10 » ou voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes parti en boucle infinie et il y a juste un check qui est fait au niveau d'Angular qui décide que, bon, si vous avez fait ça 10 fois, c'est que vous êtes un petit peu parti en boucle infinie. Donc en gros, vous avez une valeur qui est définie à 10 par les mecs d'Angular, que vous pouvez surcharger. Bon, on ne verra pas ça maintenant, mais voilà, vous pouvez surcharger cette valeur-là évidemment, mais elle va être 10 par défaut. Donc si vous bouclez au bout de 10 fois, vous avez une exception qui pète et ça vous arrête dans vos appels. Il y a ça. Deuxième chose, c'est que si ici, on ne va pas avoir le temps de le faire, mais si ici, là, je modifie, je fais un tableau. Je fais un tableau et je mets des participants là dans la salle et je mets les personnes en tableau. Et je fais mon watch comme on fait maintenant. On verra rien. On verra rien. Pourquoi ? Ben, un tableau, c'est quoi ? Ça va être une référence. Et là, regardez, ici, on a... Hop. On a un... Voilà. Différent. Donc, on va comparer les références des objets et des tableaux. Donc, ça ne va pas aller. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que le scope, et ça, vous avez dû le voir, que le scope prend un troisième... Enfin, le watch prend un troisième paramètre, ici. Vous avez watch, un troisième paramètre où vous pouvez mettre un booléen, vrai, faux, qui dit « Ah, attends, là, c'est un tableau que tu vas comparer, donc compare-moi par valeur et pas par référence. » Mais alors là, vous me direz « Oui, mais attendez, avant, c'était performant, on comparait des références, c'était pas mal. » Des fois, on veut ça. Hein. Attention, la valeur par défaut, dans Angular, c'est comparaison par référence, et c'est très bien. C'est dans certains cas, ben non, moi, c'est mon tableau, une valeur dans mon tableau, j'ai pas envie, dans mon objet, je veux faire une comparaison par valeur. Donc, vous mettez le booléen,
Watch à trous. Sauf que dans ce cas-là, attention, ça devient super lourd. Je vous laisse imaginer. Comparaison, c'est une deep comparaison, là, le truc. Donc là, vous tuez vos perfs. Donc là, ouais, Angular, c'est nul, c'est lent et tout. Non, attention. Là, il y a plusieurs choses. Ou vraiment, vous pouvez vous en passer et jouer plutôt sur les références, c'est ce qui est privilégié. Quand vous regardez les, hein, sur, un peu sur le net, les créateurs, ils privilégient quand même la référence, évidemment. Maintenant, la valeur, des fois, elle est nécessaire. Et bien, regardez, vous avez le $Watch Collection. Vous pourrez regarder ça. Il n'est pas très connu, peut-être pas très bien documenté. Le $Watch Collection. Pourquoi ? Ben, un tableau. Ça ne sert à rien d'aller comparer un tableau si déjà on voit que les... que le tableau il n'a pas la même taille. Un tableau de 10 ou de 11 éléments, bah c'est bon, bah on arrête, ils sont différents, c'est bon. Vous voyez, il y a différentes techniques comme ça. Donc regardez le $Watch Collection. Voilà. Il y a différents trucs qu'on pourrait dire, mais voilà. Donc déjà, ça, c'est un élément que vous pouvez retenir. Donc comparaison par valeur référence. Un dernier point aussi, c'est encore un check. C'est ici quand on est sur. Quand on est dans un apply, hein, ici. On peut encore partir en boucle infinie. Ou ici, quand on est dans un watch, on peut faire ici un appel à un digest ou un apply. Et on repart en boucle infinie. Si on est ici, si je me mets là, hein, on est ici dans nos boucles. Et si on relance un digest ou un apply, on repart en boucle infinie. Ça, c'est l'erreur que vous avez quand vous faites un petit peu trop de apply. Ça, c'est quand vous dites, oh oui, j'ai compris, il faut faire du $apply. Donc, pour être sûr que ça passe. Dès que je fais une modif, je vais mettre $apply, comme ça je suis sûr que c'est bon. Ouais, mais non, si vous êtes déjà dans un digest, dans une boucle digest, vous en demandez une, vous repartez en boucle. C'est l'erreur. Et cette erreur-là, que vous devez connaître, c'est attention, une boucle digest est déjà en cours. Vous avez une erreur comme ça, que vous avez certainement dû avoir au moins une fois. Cette erreur-là, ça veut dire que vous avez fait un digest de trop, vous êtes déjà dans une boucle. Et alors là, la raison, ça c'est intéressant de savoir, la raison pour laquelle vous avez fait ça, c'est que où vous n'avez pas réfléchi, ou vous avez réfléchi, mais vous avez fait ça trop tard. Il fallait faire cet appel beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans une jQuery ou autre, vous faites cet appel à $apply au plus proche de la modif que vous avez fait. Okay, sinon, c'est que voilà, vous êtes déjà trop tard, et il y a déjà une boucle qui a été lancée, et vous êtes dans une boucle. Okay. Voilà. On pourrait voir encore plein d'autres choses, mais ça vous complète les briques qui vont vous maintenant permettre de créer les directives et le côté magique qu'on a vu dans la démo du tout début. Voilà, donc je laisse la place maintenant à Mathieu. Et pour prouver qu'on ne triche pas, il va rester sur la même clé. Donc le code qu'on a fait ensemble, là, en live, il va repartir de ça pour continuer maintenant et avec ces briques-là, construire des directives. C'est parti. Et donc je vous passe la clé. Et oui, vous restez sur vous. Il a un clavier QWERTY, c'est un inutilisable. Quoi ? Si, je t'assure. Je te parle pas du trackpad inverse. Ça, c'est à moi. Le code dans cet état-là, il est dispo aussi. Dans cet état, parce que là, vous avez tous les résultats. Dans ce que vous avez cloné, vous avez tout. Les solus, étape par étape, vous avez tout ça. Sauf si la question était... On va répertoire solution, il y a des solutions à chaque étape. Donc là, si on repart des étapes 6-7, on sera à peu près... ce ne sera pas exactement le code d'aujourd'hui, mais à très peu de choses près... Je vais te prendre la tête d'ailleurs.
truc. Ok. On est dans le trop là. Est-ce que ça ressemble à ce que c'est loin? Ça, c'est bon. Ça, c'est un petit peu plus petit. Non. Je vois quoi, je change la place. Ok, je vais commencer par dégager les trucs chiants. Oui, c'est le bug, c'est ce que je vois. Par contre, j'ai juste mêlé ce qui est date de mise à jour et laissé juste le scope pour la session, donc il nous avait juste. Il y a quelque chose dans Scope Procession. Ok. Normalement, je repars du schéma. Non, pas là. Pas là, merci. C'est pour moi. Le schéma, ici. Donc, on a vu Watchlist, on a vu Digest. Evaluation Queue, on l'a un petit peu zappé parce que c'est un peu complexe et qu'on va vous tuer. Mais ça change pas le concept. Apply, on l'a vu. Ce qu'on n'a pas vu, et ce qui n'est pas très détaillé sur ce schéma, parce que je pense qu'il voulait plus faire focus sur le scope, c'est les flèches qui font le lien entre le scope et le navigateur. Parce que finalement, là, ce qu'on a fait, c'est bien beau, mais c'est du JavaScript. Si on lance pas le JavaScript, il se passe rien. Enfin, des console.log, c'est pas très final comme solution. Donc là on va revenir vers le navigateur et on va essayer de faire ces liens là, cette flèche qui va dans un sens et cette flèche qui va dans l'autre. Pour ça on va le faire avec les directives parce qu'Angular fonctionne avec des directives et le principe des directives c'est que, grosso modo, on les a déjà mises normalement, voilà, le ngbind session et le input, non il n'y est pas encore, on peut le mettre. Input type égal texte. Oula. ngModel égal session. Si je mets à jour, voilà, il y a un input qui s'est rajouté, mais jusque-là, rien de magique. Vous voyez que je tape quelque chose et ce n'est pas magique. Bon, là, on est au début. Donc, le principe, ça va être de coder quelque chose. Il va commencer par analyser notre HTML et trouver nos attributs qui sont des directives et faire quelque chose. Alors, pour commencer, on a deux étapes qui vont faire simplement cette structure de découverte des directives avant d'implémenter des directives pour commencer. Donc la première étape, c'est simplement de se faire une librairie de directives. Une librairie de directives, ça ne va jamais être qu'une HMAP finalement avec le nom de la directive et sa définition. Pour garder les choses simples aujourd'hui, on va définir une directive comme étant une fonction, tout simplement. Ça existe dans Angular, c'est la version la plus simple, ça s'appelle la fonction postlink. C'est la version la plus simple de déclarer des directives, ça marche très bien. Il y a pas mal de directives qu'on peut faire simplement avec cette formule. C'est une fonction qui va être lancée par Angular, quand il est prêt, il nous donne l'élément sur lequel la directive est présente et libre à nous de faire quelque chose à ce moment-là. Donc, par expérience, non, pas par expérience. Donc, je vais essayer de suivre le modèle d'Olivier et de faire le code que je souhaite avoir. Et à cette étape, le code que je souhaite avoir est assez simple. C'est de pouvoir définir une directive avec une fonction directive où je vais lui donner un nom. Et je m'avance un peu en lui donnant le nom de ngbind. Ça va être la fonction qui s'appelle ngbind. Et je vais la définir avec une fonction. Grosso modo, le code pour cette étape-là, je ne souhaite finalement pas beaucoup plus que ça. Que je souhaite à la rigueur pour essayer de tester que ça marche en attendant. Je vais mettre un petit
Je me mets juste un log pour dire, en fait, on va stocker à l'intérieur d'une variable $$directive les directives qui sont disponibles actuellement. Et je me mets juste un log pour dire, voilà les directives qui sont créées, et je souhaite évidemment trouver un objet qui contient ces choses. Évidemment, la directive-là, elle va finir par avoir quelque chose dedans. Pour le moment, on définit par une fonction la plus simple possible. Grosso modo, il faut simplement définir $$directive comme une HMAT. Je souffle un petit peu, c'est un objet, c'est pareil. Et une fonction $directive qui permet d'ajouter une directive dans l'HMAT. Donc là, on est un petit peu comme au premier exercice, à savoir c'est fait en trois lignes. Directive, on se prend le c'est de faire, ça devrait être dans la partie du bas, non ? Dans la partie du bas, Oui, mais alors en fait, comme on va commencer à faire des directives, les directives ngbind et ngmodel sont dans Angular. Donc à terme, la définition de la directive elle-même, si on dit que au-dessus c'est Angular et en dessous c'est pas Angular, elle va rester en dessous au-dessus. Et le console.log, là on pourrait le faire à peu près n'importe où. Regardez dans le code source du framework AngularJS, ça fait partie du code source d'Angular. Le code source de la directive ngbind, je vous la conseille particulièrement. Elle fait 5 lignes à peu près. Et elle est lisible. Voilà. Il y a d'autres directives où, pour des raisons d'optimisation, de cas particuliers, de compatibilité navigateur, elles sont très complexes. Le ngrepeat étant l'exemple type. Mais ngbind, c'est pas le cas, c'est vraiment super simple. Rapidement, $directive égale un objet. Voilà, une HMAP en JavaScript pour faire simple. $directive est égal à une fonction. Je ne comprendrai jamais quand on va montrer. Valide la proposition ou valide pas. Bref, deux paramètres, le nom de la directive. Et la fonction qui définit la directive. Okay. Donc dans ce que je vous ai demandé, simplement il suffisait de faire dans l'objet $directive un attribut qui s'appelle name est égal à cette directive. Voilà. Grosso modo, ça devrait suffire à faire fonctionner ce que je voulais, à savoir que dans la console, j'ai un objet de directive avec le nom de la directive et la fonction.
Alors pour reproduire un petit peu le l'API d'Angular, et encore je ne suis pas sûr, cette fonction directive, on la transforme en getter setter intégré avec grosso modo, quand on set, on return quand même, on la return quoi qu'il arrive. C'est pour simplifier un petit peu la suite, mais c'est pas, ça change pas grand chose. Donc on retourne la directive qu'on vient de setter, et si jamais on ne positionne pas le deuxième paramètre, on considère que c'est un getter. Je veux juste la directive qui s'appelle comme ça, donne-la moi. Et dans ce cas-là, il faut juste faire un, if. Yves. Alors il y a différentes façons de faire. Il y a la salle qui va vite, c'est celle-là. Alors pour ceux qui ne font pas de JavaScript, il va essayer de caster la fonction en booléen. Si c'est pas défini, ça sera faux. Si c'est défini, ça sera true et on sera content. C'est assez moche, surtout si vous ne faites pas ça sur des fonctions mais sur des numéros. Vous essayez de caster 1 en 0 en booléen, ben 0 en booléen ça donne faux et puis du coup ça donne pas ce que vous vouliez. Mais sur une fonction ça marche. Ok, donc la première étape, juste une librairie de directives. Ça permettra tout simplement derrière de pouvoir enchaîner ce genre de ligne pour définir directive après directive et créer en fait une base de directives. Encore une fois, là, c'est une simplification d'Angular qui, lui, a un moteur de gestion d'injection de dépendance et c'est fait de façon un peu plus industrielle. Ok, donc maintenant, on va passer à la partie vraiment marrante, la partie détection des directives dans l'HTML. Donc, on a notre code HTML qui est là. Et le sujet de l'exercice, simplement, ça va être de dire, on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle $compile. Ça, c'est un vrai service qui est dans Angular. Et je vais vous demander de dire $compile d'un élément du DOM. Voilà, grosso modo. Et je veux qu'à partir de là, il part pour tous les éléments du DOM à partir de celui-là, et que s'il trouve un élément qui contient un attribut qui va bien, il lance la directive en conséquence. Si on veut voir quelque chose, il va falloir que la directive commence à faire quelque chose. Le plus simple minimum syndical, c'est simplement de loguer qu'elle a été appelée. Directive ng. Alors, je finis juste par une chose qui, dans cet exercice-là, ne vous coûtera pas grand-chose. Je passe le scope en paramètre, parce que le but, c'est de faire des bindings avec le scope. Donc, à terme, on en aura besoin. Pour l'instant, ça ne vous coûte pas grand-chose. Donc, grosso modo, l'idée, c'est que le code tel qu'il est là, si je le encode dans l'exercice qui vient, si je fais F5, je devrais avoir directive ngbind qui a été trouvée et lancée. Une fois, parce qu'il n'y a qu'une fois dans le code HTML. Comme il est un peu tricky celui-là, je le corrigerai en deux étapes. S'il y a des gens qui sont étudiants, ça jette les gants. Je connais pas le Nord. On peut faire des choses avec le Nord. Oui, ici, il n'y a besoin que de Witch. Il y a besoin de Witch, mais il n'y a besoin de rien d'autre que Witch. Si vraiment on veut être roots et faire un bon vieux for var i égale 0, etc., etc., ça pourrait marcher sans une partie. C'est vrai que là, ils connaissent les attributs
Ouais, là on commence à taper un petit peu dans l'API du navigateur. Alors si vous ne connaissez vraiment pas l'API du navigateur, bah, document.body c'est un élément du DOM, c'est un objet element. Bah, grosso modo, sans vous donner tout de suite la réponse, un élément du DOM, vous avez au moins children qui est un tableau d'autres éléments du DOM qui sont ses enfants. Donc ça en fait ça suffit normalement pour créer une récursion qui va parcourir tout le DOM. Je vous conseille de ne pas la merder, de ne pas faire une boucle infinie. Et ça m'est arrivé la première fois où je l'ai codé. Hein. Et de loguer simplement pour pouvoir voir le code parcourir chaque élément du DOM. Et la deuxième API dont vous avez besoin, c'est element.attributes. Alors, qui vous donne un tableau d'objets, chaque objet étant un attribut, et puis après c'est objet.name, c'est le nom de l'attribut, objet.value, c'est la valeur de l'attribut. Donne, c'est vous qui ont un attribut. Non, c'est pas non, c'est un. Ouais. Name. Et Chadron, pareil. Ouais. On peut boucler dessus. Name, value. Voilà. Du pseudo-code à deux balles, mais c'est quand même, ça fera la même. Je voulais faire avec un forage. Et les mecs sont children. C'est un array element, un truc comme ça, qui n'implémente pas array, enfin qui ne prototype pas array, et donc il n'y a pas de méthode forage. Et comme j'étais tué dans j'ai affecté un vieux sale. La fonction forEach de array.prototype.forEach à ce truc-là, et ça marche. J'étais très impressionné par un sourd. Donc j'ai fait avec forEach sans prototype, sans architecture. Cool, là, c'est cool. Son inquiétude n'est pas valable, mais grosso modo, je pense que ça reste compliqué. Du coup, c'est pour ça que je sais pas ce qu'il faut faire. Vendre ça en disant que c'est facile, ce sera naturel pour tout le monde, je pense que c'est sûr. Je vais commencer à corriger une première moitié, on va dire, simplement la base de la récursion. $compile. Il y a une function qui prend un élément et un scope. Donc là, jusque-là, je réponds juste à l'API que j'ai utilisée. La récursion, il n'y a pas de miracle, hein. C'est jamais qu'un each sur element.children qui me donne une fonction dans laquelle j'ai un child. Voilà. Et le principe, c'est ni plus ni moins que de rappeler $compile sur le child. Finalement, la récursion, c'est ça. Normalement, on peut loguer console.log. De l'element. Si j'enregistre ça, parce que j'ai pas fait le choix de l'édition, on voit que je parcours le DOM. Donc, ça c'est intéressant à l'avoir écrit une fois parce que dans Angular on a l'impression que par miracle, direct, enfin, surtout qu'en plus ils le vendent bien en disant Angular étant le HTML, etc. Alors que le démarrage des directives dans le HTML, c'est jamais qu'une récursion sur le DOM. C'est voilà, le HTML6,
c'est trois lignes de code. Je l'ai lu, HTML6, hein, je ne l'ai pas inventé. Angular, c'est HTML6, je l'ai lu. Angular, c'est très bien, je ne sais pas si c'est HTML6. Alors, la suite. Le console.log, maintenant je suis. Allez, non, je me le laisse encore un petit peu parce que je suis pas fou. Alors, each. Donc, une fois qu'on sait que cette partie du code sera exécutée une fois sur chacun des éléments du DOM. Donc, cette fois-ci, on va étudier l'intégralité des attributs de chaque élément. Donc, pour chaque attribut, function d'attribut. Hop. Voilà. Voilà. Maintenant, on a chaque attribut de chaque élément. En fait, la question est très simple, c'est existe-t-il une directive pour cet attribut, oui ou non? Et donc, il y a différentes façons de tester l'existence de la directive. Moi, ma stratégie, c'est de simplement essayer de la récupérer et puis de vérifier si, et puis de, ensuite voir si c'est nul ou pas. Var directive égale $directive de attributes. Et alors, c'est là qu'il faut bien savoir que c'est un objet .name. Voilà. À ce moment-là, ma variable directive, soit elle vaut undefined, soit elle vaut une fonction. Donc je vais encore être flemmard. Je vais faire si il y a quelque chose là-dedans, je la lance. Voilà. Normalement, ça va pas. C'est pas plus compliqué que ça. On peut regarder aussi dans le tableau directif vaut pluriel si elle existe. Tout à si fait. Si l'attribut existe. Tout à fait. Et on peut pratiquement ne pas écrire ça. Et se suffire d'accéder à la directive en direct. Là, il y a vraiment plein de solutions possibles. Là, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, on traite que les directives déclenchées par des attributs, qui est le cas le plus courant dans Angular, le plus conseillé, le plus compatible même avec IE. Mais il y a aussi les directives sur le nom de la balise, des directives différents cas un petit peu plus rares mais qui existent. Et ici on ne traite que le cas simple. Je vais juste tester que ça marche.
Alors, un coup, il l'affiche comme ci, un coup, il l'affiche comme ça, j'ai jamais su pourquoi. En tout cas, on voit que quand on passe sur l'élément H1, Compile and J-Bind, il lance bien la directive. Et dans tous les autres cas, pour tous les autres éléments, il lance rien du tout. La revue Compile, il est lancé par Angular directement. Au chargement de la page, il est lancé directement. Après, au chargement de la page, il est lancé grosso modo sur le NGApp, là où vous mettez le NGApp. Et ensuite, quand vous faites un NGInclude, à l'intérieur de la directive, il va compiler la partie d'HTML qui a été récupérée. Et quand vous avez un routeur d'URL, à chaque fois qu'il insère un nouveau morceau d'HTML, il compile aussi à l'intérieur de la du système, il le compile. Il m'est arrivé d'avoir des intégrations avec des frameworks et d'avoir à lancer la compilation à la main. Et lancer la compilation à la main d'un bout d'HTML, c'est à peu près ce code-là. Hein. Il n'y a pas besoin de choses très compliquées. Il faut lui donner un élément du DOM et un scope, et il nous le compile. Et après, on peut le mettre dans la vue, et ça sera bindé, dynamique, et tout ce qu'on veut. Donc, je vais virer le console.log, histoire qu'on commence à y voir quelque chose. Hop. Donc, j'ai mon tableau de directive avec une directive. Et elle est trouvée, elle est lancée. Donc ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, et ça vous sera nécessaire pour l'exercice suivant, c'est qu'une directive, pour fonctionner, elle a besoin de paramètres. Et pour cela, on va reproduire les mêmes paramètres qu'une directive reçoit dans Angular. Une directive, quand on la définit, et ça c'est... avant, dans le cadre Angular, elle reçoit en premier le scope dans lequel elle évolue, l'élément sur lequel elle a été lancée, et la liste des attributs et leurs valeurs. C'est vraiment l'API d'Angular qui est, c'est celle-ci. Une particularité que tout le monde s'attend à avoir, c'est un pointeur direct sur la valeur de l'attribut qui correspond à la directive. Il faut juste savoir que c'est pas le cas. Angular vous fournit l'ensemble des attributs. Vous avez la possibilité de lire celui qui correspond à votre directive ou lire les autres. Voilà. On avait l'élément. L'élément, pour moi, c'est le point clé. L'élément, c'est... NGBind potentiellement sera lancé sur 10 endroits dans le DOM. Et la directive sera lancée 10 fois. Il faut savoir qu'elle a été lancée sur cet élément du DOM pour pouvoir y appliquer des modifications. C'est à partir de cet élément du DOM qu'on peut appliquer quelque chose à cet endroit-là. Donc pour que ça fonctionne, au moment où on lance la directive ici, il faut passer les paramètres. Donc les paramètres en question, c'est le scope. Donc ici... qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit l'élément, bah c'est l'élément. Tout simplement, on a la variable qui s'appelle l'élément. Et les attributs, bon, dans notre cas, c'est un petit peu bébête, mais c'est element.attributes. Donc voilà comment on lance la directive avec le contexte qui lui est nécessaire. Les petits commentaires, on s'en fiche. Ça... on peut enlever aussi. Voilà. Donc le compilateur, version minimaliste, c'est rien d'autre que celui-là. Il est capable de trouver à peu près n'importe quelle directive, enfin, toutes les directives par attribut, et de lancer la fonction qui lui correspond. Vous voyez bien par contre que la directive est définie avant de lancer compile en dessous, parce que sinon ça ne marche pas. Vous pouvez essayer, si vous compilez alors qu'il n'y a pas encore de directive, ça ne va pas marcher. Est arrivé. Je vous le donne en mille. Prochain exercice, c'est de coder NGBind. C'est de mettre quelque chose pour de vrai là. Là, j'aurais pas vraiment de quel est le code que je voudrais voir. Ce que je voudrais voir, c'est que ici, ça soit marqué Brightstorm. C'est ça finalement que vous cherchez à faire. J'irais même jusqu'à dire Brightstorm 2014. C'est cette valeur-là qui doit être collée là. Bien sûr, vous vous en doutez, toute la partie d'Olivier, on ne l'a pas faite pour rien.
et on est là pour simplement être utilisateur des fonctionnalités qu'on a codées tout à l'heure. Donc voilà, bonne chance, amusez-vous bien, c'est tout ce que vous aurez. Ça arrive 5 minutes. Oui, là, c'est sous cette partie-là. Ouais, je pense pas que je vais partir sans. Ah, il vaut mieux pas. Tu vas complexifier la réflexion de la récursion. En tout cas, moi, c'est ma stratégie, c'est de laisser la récursion là, comme ça, arrêter, après penser proprement. Là, je suis dans une. Pour les éléments entrants, tout simplement, il va passer là-dedans, il n'y aura pas de chat, il va continuer et il se retrouvera là. On peut en faire autant que vous, mais c'est une fois qu'on a mécanisé, c'est bon. Enfin. Allez, NG bind.
Donc le principe d'un J-Bind, c'est tout simplement de copier la valeur pointée par l'attribut NGBind et le mettre dans le dump pour de vrai. Ça correspond à la fonctionnalité du watch. En tout cas, au niveau scope, ça correspond à la fonctionnalité du watch. Donc comme je suis une personne fainéante, je commence par un bon vieux copier-coller. Voilà. Donc, à la base, et ça vous pouvez l'enregistrer, un NGBind, c'est un copier-coller. C'est un... Non, pas un copier-coller. C'est la fin de... Ça commence à... Bon, bref. Donc c'est un watch. Un NGBind, c'est basiquement un watch. Donc pour le rendre un minimum dynamique, on ne va pas simplement watcher un truc en dur, on va watcher ce qu'on nous a demandé de le surveiller. En l'occurrence, ce qu'on nous a demandé de surveiller, c'est... ça je vais l'écrire à côté, c'est attributes crochet ngbind point value. Ça c'est ce que je dois lire à l'intérieur du... C'est l'attribut que je dois lire à l'intérieur du scope pour avoir la valeur. Donc, tac tac tac, je copie-colle ça et je lis ça à l'intérieur du scope. Du coup, ça fait quelques crochets qui se mélangent les uns aux autres, mais grosso modo, c'est ça. C'est l'attribut qui est dans ngbind, je prends la valeur et je lis la valeur dans le scope. Ça, c'est ce que je surveille. Alors là, s'il y a des gens qui sont précis, ils verront que si on dans le scope et dans Angular, on peut très bien le faire, on surveille non pas session, mais session.titre, ça va pas marcher. Parce qu'on va vraiment aller lire l'attribut session.titre en un mot à l'intérieur du scope et ça ne va pas être ce qu'on veut, etc. Encore une fois, Angular a un parseur qui répond à cette question-là. Et cette étape est un peu plus maligne et en fait, c'est l'expression est décomposée, etc. Et lui, dans le scope, c'est un peu plus compliqué. C'est le service qui s'appelle $parse, si ça vous intéresse, de regarder dans Angular. Nous, on reste dans un cas simple et ça correspond, ça fait tout à fait le boulot. Donc à l'intérieur de la fonction là, on sait qu'on va être appelé à chaque fois que la variable session change. Et un ngbind, quel est son rôle à chaque fois que la valeur qui est surveillée change? Elle est simplement de l'écrire à l'intérieur de l'élément dans lequel il se trouve. Et pour ça, c'est simple en fait, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin que on l'écrit dans l'élément dans lequel on se trouve. Voilà, c'est en dur, on vient modifier le contenu. Normalement, là, ça marche. Alors, ce qui peut être rigolo, c'est de dire, là, ça a l'air quand même assez statique. Hein. Je change là, il ne se passe rien. Si je lance un apply et que je modifie le scope, ça change pour de vrai. Donc on voit bien que là le bind il est statique parce que le scope ne change pas, mais la directive qu'on a créée, elle est prête à réagir autant de fois qu'il faudra. Donc ça c'est plutôt cool. Et maintenant on voudrait brancher l'input qui est en dessous, à la même valeur. Je vais revenir une minute sur le schéma, si j'arrive à le montrer un peu plus grand. Voilà. Le ngbind, c'est ni plus ni moins que cette flèche. Le scope a détecté quelque chose, on l'écrit dans le DOM. On appelle cette flèche. Le ngmodel, ça va être cette flèche aussi. Parce que, quelle que soit la valeur du scope de session, il faut l'écrire dans l'input. Mais le ngmodel, ça sera aussi l'autre flèche. C'est-à-dire que si jamais il y a un event natif dans le navigateur qui dit il s'est passé quelque chose dans le champ input, il faut venir faire un apply dans le scope pour que les modifications soient appliquées. Donc l'exercice à venir, il reste 6 minutes, donc vous aurez à peu près 2 minutes, je ne suis pas tout à fait sûr que ça vaille le coup. C'est donc d'écrire ngModel qui est en fait un ngbind. La moitié de ngbind, cette flèche est reproduite, plus un petit bout en plus.
Bon, j'ai créé. Alors, comme je suis toujours quelqu'un de fainéant, je commence par un copier-coller. Alors, le copier-coller, il a ça d'embêtant qu'après, il ne faut pas oublier de changer ce qui doit être changé. A priori, ça c'est bon. Donc, au lieu de surveiller ngbind, je surveille l'attribut ngmodel. Et une petite particularité, sur les champs input, on ne modifie pas le inner HTML, on modifie le element.value. Avec ça, normalement, on a fait la moitié du ngModel. Normalement, on peut déjà retourner tester. Et on a vu que le champ input a été pré-rempli. Ça, c'est bien. Bon, après, il se passe rien. Ça, c'est le côté dommageable. Donc maintenant, tout simplement, on va écouter. On va écouter quand l'utilisateur tape OK. Donc pour ça, eh ben on va faire du bon vieux HTML. Alors même moi, je ne suis plus jQuery, donc je ne sais plus faire ça vraiment, mais j'ai révisé pour l'occasion. Et c'est pas ça justement. Add event listener. Le bon vieux. Qui, heureusement, je teste que dans un navigateur, donc je n'ai pas trop de risques. Donc ça, c'est une écoute native navigateur, un événement. Il va me passer un event, mais en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Donc voilà. Donc ça, je sais que ça sera modifié, ça sera appelé à chaque fois que l'utilisateur a tapé sur le code. Je vais m'amuser à faire exprès de faire des fautes, parce que c'est drôle. Donc le principe qu'on va vouloir, c'est simplement réécraser la valeur. Non, c'est pas ça justement. Réécraser la valeur du scope à chaque fois que ça a été tapé. Donc la valeur du scope, c'est ce gros truc là, et on affecte la valeur. Ok ? Donc là, normalement, ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas parce que on modifie le scope à chaque fois qu'un événement est lancé, mais on n'a pas fait de play, on n'a pas fait de digest. La chose rigolote à faire, normalement, c'est... Si on force un digest, on voit que ça marche. On y est presque, on est à ça. Tant bien, il reste 3 minutes. Donc, je l'ai entendu, vous avez compris. On écoute un événement natif du navigateur. Pour modifier le scope, il faut prévenir Angular que le scope a été modifié, sinon il ne va pas lancer de digest, il ne va pas regarder les watchers, il ne va rien faire, il va rien se passer. Donc, scope.$watt. Non, pas watch, apply de function. Non, ça veut plus là. Hop, tac, tac, tac. Et là, normalement, magie. Et on voit le scope qui évolue à chaque fois, hein, le watch. Etc. Et voilà. Alors après, il y a quelques optimisations dans le vrai code, je sais qu'il n'ira pas à moitié des étapes comme moi, etc. Mais l'important, c'est que ça marche. Bah voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous présenter. NGModel. Et parce que je l'ai fait le slide, je tiens à le montrer. Je l'ai fait, hein. Voilà. Ouais, c'est bon, à la 50.